laquelle j'interviens en détention auprès de personnes incarcérées, en direction aussi des jeunes placés sous main de justice dans des foyers, et aussi en direction des jeunes dans les quartiers. Je suis aussi un ancien détenu, hein, j'ai écopé de 10 ans de réclusion criminelle, j'en ai effectué un peu plus de 6 années dans une grosse dizaine d'établissements, à l'intérieur desquels finalement j'ai finalement réussi à me réinsérer. Difficilement, mais quand même. Aujourd'hui, je suis père de famille, très investi, très militant dans un certain nombre d'associations pour les droits des détenus, une réinsertion possible, réaliste et réalisable pour un maximum d'entre les personnes incarcérées. Un droit debout, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il s'agit d'aider tous ces futurs acteurs qui vont graviter autour du monde justice-prison à mieux comprendre leur rôle, leur fonction et les conséquences de leurs décisions ou de leurs actions dans les peines de ces personnes incarcérées. Toutes, que ce soit un avocat, que ce soit un juge, un procureur, un SPIP, un psychologue, un éducateur qui interviendrait dans le monde justice-prison, doit se poser la question de quel humain il y a derrière l'acte qui a été posé, quel humain il y a derrière la peine qui va être exécutée et comment est-ce qu'on peut tout mettre en œuvre, quel que soit l'acteur que l'on est, pour rendre cette réinsertion réaliste et réalisable pour tous. Tous ces engagements sont l'occasion pour moi d'essayer de réparer tant que faire se peut ce que j'ai pu commettre un jour dans ma vie.